Good morning. Allez, Iden et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram Yona ben Chana Peggy Bat Esther Nissim ben Aouda Michael Novikov aussi de Fouaton Wood, Bat Claudine Traina Simcha Bat Masoudi Betor, Charles Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous aussi, tu vas m'assurer de Douyot, Perek Bet, Mishnah Yud. Av hu aya omer, Chamisha dvarim shal shnemasar chodesh, Mishpat dor amaboul shnemasar chodesh, Mishpat Iyov shnemasar chodesh, Mishpat amitsriyim. 12 חודש, משפט גוג ומגוג לעתיד לבוא, 12 חודש, משפט רשעים בגיהינם, 12 חודש, שנאמר והיה מדי חודש בחודשו. רבי יוחנן בן נורי אומר, מן הפסח ועד העצרת, שנאמר ומדי שבת בשבתו. משנה, vraiment, il n'y a aucune הלכה, cette fois-ci, on continue un petit peu avec le principe de la Mishnah précédente, du Moussar. En nous apprenant comme ça, Afouaya Omer, Rabbi Akiva disait encore, Chamisha Dvarim Shel Shnemasar Chodesh. Il y a cinq choses dans lesquelles on remarque qu'il y a eu un cycle de 12 mois décrété pour la même chose. Soit, Mishpat Dor Hamaboul Shnemasar Chodesh. Le jugement, la sentence du Dor Hamaboul, de la génération du déluge, a été de 12 mois. Soit le déluge a duré durant 12 mois. En réalité, c'est 12 mois et 10 jours, ou 11 jours même plutôt, qui est le... Rachir a pensé sur le Chumash, qui en réalité, ça commençait le Yudzaïn Cheshvan, jusqu'à Chavzaïn Cheshvan, ça s'est complètement terminé. Donc ça fait 1 an et 10 jours. En réalité, c'est parce qu'on a voulu un an plein, un an solaire, et pas qu'un an lunaire. D'accord ? Donc on calcule en Cheshvan. En Cheshvan, le mois lunaire fait en général Shana, Shin Nun Hei, 355, des fois un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend du nombre de Chodesh, du nombre de mois qui vont faire 29 ou 30 jours, ça varie de 4 à 8, ou s'il y avait Bichlal, une année bissextile, où il y avait 2 mois de Hadar, et l'année solaire, elle fait toujours 365 jours, un quart, de ce fait, le Mishpat Dor Hamaboul, il a duré 12 mois pleins, c'est-à-dire des mois solaires, 365 jours, du 17 Cheshvan au 27 Cheshvan. D'accord ? Idem encore pour Mishpat Iyov, Shnemasar Chodesh. Le jugement de Iyov s'est aussi étalé durant 12 mois. Soit depuis le moment où Iyov a commencé à avoir ses épreuves dans le début du livre de Yorl, du Iyov, lorsque ses enfants commencent à mourir, jusqu'à que tout le monde et toute sa famille est parti, et qu'il était plein de lèpre, et qu'il était dans... Ouais, tout ça, ça a duré durant 12 mois. Bessar Hakol, 12 mois épuisants, terribles. Mais 12 mois. Mishpat Gog ou Magog, Leatid Lavo, Shnemasar Chodesh. Ah non, j'ai sauté un. Mishpat Amitzrim, Shnemasar Chodesh. Le jugement des Égyptiens a été de 12 mois, c'est-à-dire, lorsque Moshe est venu voir Paro, Paro a voulu le tuer. Moshe, il a disparu de la circulation pendant 6 mois. Ça rapporte ici dans le Tiferet Israël. C'est un Midrash Rabba. Bon, sauf par Shachmot. 6 mois, Moshe, durant 6 mois, Moshe Paro a augmenté le travail des Bnei Israël. 6 mois terribles de labeur, jusqu'à que Moshe revienne et qu'il lui dise, allez maintenant, on a fait la rigolade, maintenant on commence les Makot. Et ça, depuis le moment où Moshe est arrivé, jusqu'au moment où Paro a libéré les Bnei Israël, ça a duré 12 mois. D'accord ? En général, chaque Maka a duré plus ou moins un mois, il y avait comme ça un petit peu d'intervalle, je crois que c'était 3 semaines et un mois, je ne sais pas exactement comment calculer les 12 mois, mais en tout cas, ça s'est allé durant 12 mois. D'accord ? On continue. Mishpat Gog ou Magog le'atid lavo, shnemasar chodesh. Gog, c'est celui qui va venir faire la guerre contre Mashiach. Magog, c'est sa terre, c'est rapporté dans les Nevuot de Yecheskel, Perek Lamed Chet, si je ne me trompe pas. Allez voir là-bas, Ayen, Yecheskel la Metrate exactement. Donc, ça a compté dans les détails. En tout cas, ensuite, une fois qu'il va venir faire la guerre contre Mashiach, Hachem va se venger de Gog ou Magog. Celui et sa terre vont être punis. Ça va durer durant 12 mois aussi. Mishpat Rechaim Bageinam, Shnemasar Chodesh. Les mauvais juifs, les impies, sont jugés en enfer durant 12 mois et pas plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'après 12 mois, on arrête de dire le Kaddish, même un peu moins, comme ce qu'on va peut-être le déduire de la suite de la Mishnah. Chez Nehemar, comme nous dit le Pasuk, Vaya mide chodesh bechodsho. Soit, on est dans le dernier Perek de Ishaya. Ishaya Samechvav, c'est le dernier Perek
c'est la fameuse Haftara de qu'on lit à Rosh Chodesh. Hashamayim kisi veres adom raglayim. Eze bayit yunuli veze makom menuchati. Et là-bas, les deux derniers psukim, c'est mamash, les deux derniers psukim de Ishayahu, il y a marqué. Donc c'est la névoie qui nous annonce Bezrat Hashem, le grand retour, quand on reviendra. Qui kasher Hashamayim achadashim veres achadasha, lorsque les nouveaux cieux et les nouvelles terres seront là. Asher ani yoseh omdim lefanayinu Hashem. Ken yamod zarachem meshimchem. Ainsi, on sera tous Bezrat Hashem conviés à venir dans cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux. Ve'aya mide chodesh bechodesho. Ou midé Shabbat be Shabbato, le pasuk nous dit comme ça. Et il sera que chaque mois en son mois, midé chodesh be chodesho, chaque mois en son mois, ou midé Shabbat be Shabbato, chaque semaine en sa semaine. Ouais, je traduis littéralement parce que ça va nous aider pour la suite, comprendre la déduction. Yavo kol basar leishtachavot lefanai, amar Hashem. Alors, à chaque Rosh Chodesh ou à chaque Shabbat, ou Shabbat plutôt à interpréter dans le sens. Chagim, les fêtes. Alors, Yavo kol basar l'ishtachavot lefanai amar Hashem. Chaque être humain viendra devant moi se prosterner, ainsi disait Hashem. Veyatseu, et lorsqu'ils sortiront, Veraou, ils verront, Befigre anashim, ils verront les cadavres restés et jetés, Aposhimbi, Befigre anashim aposhimbi, ces hommes-là qui ont fauté envers moi. Quitte la tam l'otamut, car leur, la vermine qui les rongera, ne s'arrêtera jamais. Elle continuera. Veisham l'otirbe, et leur feu ne s'arrêtera, ne s'éteindra pas. Soit ils seront sans arrêt éprouvés. Vayu deraon le chol basar, ils seront pour l'éternité une honte, un bizayon, d'accord, un mépris pour tous les êtres humains. Soit en fait Hachem nous annonce que lorsqu'il reconstruira le Beth Amikdash, alors. Tous les bons juifs méritants Bezrat Hashem, ils monteront pour se prosterner devant Hashem. Et lorsqu'on montera sur la route, on verra les grands Rechaïm qui seront constamment là-bas jetés, en train de se faire bouffer par les vers et se faire brûler en même temps. Et comme ça, on réalisera combien on est fiers d'avoir servi Hashem et qu'aujourd'hui, nous, on a le mérite de monter au Beth Amikdash, alors que ces impies et ces mauvais. Continuent à se faire ronger. D'accord ? Voilà les mots. Maintenant, lorsqu'on approfondit un petit peu plus dans les psukim, il y a marqué que lorsqu'on viendra chaque mois en son mois, c'est-à-dire, on viendra en fait chaque mois en son mois, chaque mois de Nissan, on reviendra pour le mois de Nissan par rapport au Nissan de l'année dernière. Iyar, Sivan, Tamuz. Lorsqu'on viendra pour chaque nouveau cycle de mois venir se prosterner en son cycle, c'est-à-dire tu viendras en Tammuz, tu te prosterneras comme ce que tu as fait l'année dernière en Tammuz, et bien on verra que les grands poshim, les grands fauteurs qui ont été poshim bi, qui ont fait des graves averot, c'est-à-dire qui ont fait du chilul Hashem et qui ont fait, ça rapporté dans le Ravad, qui a fait du chilul Hashem et qui ont fait chez Kafru Baikar, ceux qui ont complètement renié Hashem, alors. Ceux-là, ils resteront en train de périr. Tandis que les autres Rechaïm, tous les autres Rechaïm qui ont transgressé la Averot, mais qui n'ont pas été kofer, Baïkar, qui n'ont pas nié Hachem, et qui n'ont pas fait de Chilul Hachem, qui n'ont pas offensé Hachem, ils avaient des Ta'avot, des instincts, des envies, ils ont fait de la Averot, d'accord. Alors, ils seront, certes, unis, mais ensuite, ils participeront, eux, ils viendront, eux, au monde futur, ils viendront, eux, aussi se prosterner. Donc, de là, on déduit que quoi ? Du Chodesh Bechodesho, que chaque... De là, on déduit, donc, que chaque... qu'un impie, qu'un rachat, il est jugé pendant 12 mois uniquement, sauf les très graves Rechaïm, que, eux, ça peut durer jusqu'à plus longtemps. Tel est l'avis de Tanakama. Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, non, il déduit ça autrement. Mina Pesach, il déduit que la durée, elle est beaucoup plus courte. Que même les Rechaïm, ils sont jugés moins de temps. Mina Pessah ve'ada Atzeret. De Pessah jusqu'à Atzeret, Atzeret c'est Shavuot. Shaneemar omidei Shabbat be Shabbato, comme le pasuk nous dit. Et chaque semaine, en semaine en réalité, le Shabbat, ça faisait allusion au Yom Tov. Donc chaque Yom Tov, pour son Yom Tov, soit en réalité, d'un Yom Tov à l'autre Yom Tov, on reviendra au Beth Amikdash. Et puis on verra que le pasuk nous dit, lorsque vous reviendrez, vous verrez que cette fois-ci, ces grands Rechaïm, ils seront toujours là par terre. Soit
En théorie, un autre rachat aurait déjà dû se relever, mais lui, il ne se relèvera pas. Donc de là, on déduit que d'un Yom Tov à un autre Yom Tov, ça suffit déjà pour sortir du Gehinam, de l'enfer. Donc de là, il déduit que si tu réduis maintenant l'espace minimal entre deux Yom Tov, alors on se retrouve avec Shabbat, avec Pessah et Shavuot, ça va nous faire 49 jours uniquement, ou 50 jours, puisqu'il y a le premier jour de Pessah, 50 jours eux-mêmes, ça suffit pour que les Rechaim soient sortis du Gehinam. Il y en a qui expliquent que le Rabbi Yochanan ben Nouri n'est pas cholek sur Tanakama. Il vient juste dire que toi, Tanakama, sache que tu as dit de manière générale que les impies sont jugés 12 mois, je suis d'accord avec toi, au maximum 12 mois, je suis d'accord avec toi que pour le commun des hommes, ça dure durant 12 mois, sache malgré tout qu'il y a des fois d'autres Rechaim moins graves, qu'eux, ils ne sont jugés que pour 49 jours, ou bien spécifiquement de Pessah à Tseret, et on a, et de ce fait, ça veut dire en fait, on n'a jamais dit que le Gehinam dure pendant 12 mois, il dure 12 mois pour les Rechaim, tant que c'est pas un Kofer Baïkar, mais ça peut être beaucoup moins. De là provient le minag d'arrêter de dire le Ganish au bout de 11 mois quand il y a un défunt, parce que, on va dire que non, le défunt, on ne va pas commencer à soupçonner que c'était un rachat au point de continuer jusqu'à les 12 mois. Donc on s'arrête à la fin des 11 mois pour dire que lui, c'est sûr qu'il a pas besoin de continuer l'année parce qu'il est déjà, Bezant Hashem, monté au Gehinam, au Gan Eden. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.